Et yo les pélos, c'est Grisiflute, on se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur FIFA 15 pour un petit tuto, pour changer un peu des autres vidéos d'habitude. On va faire un petit tuto sur FIFA 15, un tuto rapide parce que ça va être un tuto pour le pro. Donc si vous n'êtes pas intéressé par les pros, vous faites pas du pro, vous savez pas ce que c'est. Je vous invite à regarder cette vidéo ou faire vous passer cette vidéo. Alors ça va être un tuto pour comment augmenter son pro rapidement avec des points UFC, ou je sais plus quoi, c'est plus le nom exact. Donc moi je l'ai utilisé, je l'ai su grâce à quelqu'un, parce que je ne savais même pas moi-même, donc c'est pour ça que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette technique. C'est totalement légal, ça fait partie du jeu. Alors déjà, vous allez aller dans l'accueil, le catalogue, et là vous allez aller en ligne, ça se trouve, il y en a beaucoup qui connaissent et qui se moquent de moi, parce qu'ils disent que ça se trouve, tout le monde connaît ça, et je vous promets qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Et alors vous allez dans en ligne, et là vous allez voir, il y a des bonus pro pas, vous avez ça, et c'est des points, voilà, c'est des points CFC. Et vous utilisez grâce à des points CFC, regardez en bas, il y a marqué 200. Vous utilisez ça et ça va augmenter à chaque fois quelque chose, ça va augmenter une aptitude plus 1, regardez l'aptitude. Après, ça va de plus en plus cher si vous êtes gardien aussi. Et voilà, ça c'est ce qui est le mieux. Donc là, ça vous augmente carrément un général, votre pro. Et ça coûte 1250, donc faut quand même avoir des points CFC. Les points CFC, vous les obtenez en faisant toutes sortes de choses sur FIFA, en achetant un pack sur Ultimate Team, en achetant des joueurs, je sais pas, en faisant un match, en faisant un match normal, en faisant des jeux techniques, en ouvrant le jeu. Vous en accumulez assez facilement. Et le niveau, moi je suis niveau 41 parce que j'ai quand même assez joué sur FIFA 15. Enfin, sur FIFA 15, je vais pas trop jouer encore, mais sur FIFA 13 et sur FIFA 14, j'avais quand même assez joué, donc du coup ça se cumule. Comme ça, si vous avez déjà joué à FIFA 14 et FIFA 15, ça se cumule. FIFA 13 et FIFA 14, ça se cumule. Donc du coup, ça fait que vous avez des points CFC. Et du coup, voilà, ça peut être pas mal pour augmenter votre pro. Et du coup, voilà, de bonus de défense pro en ligne. Et comme je vous dis, c'est ça, il y a le mental aussi, si vous voulez. Les trucs qui coûtent le plus cher et qui sont le mieux, c'est ça, c'est l'autre bonus pro en ligne. Ça vous augmente carrément un général à votre pro. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois, je suis niveau 42 et du coup ça vous augmente vraiment votre pro. Du coup moi j'ai utilisé ça, cette technique, donc du coup mon pro est 80, même si je l'augmentais aussi manuellement en faisant des matchs. Et voilà, ça vous augmente à peu près votre pro et c'est pas mal, avant de commencer si vous voulez pas avoir un pro de merde. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour le tuto. Je vais vous faire un petit tuto Crédit Foot, qu'est-ce que je veux dire, pour savoir le prix des joueurs, la database. On se retrouve pour d'autres vidéos, je vous remercie à tous, je vous fais des gros bisous et portez-vous bien, salut tout le monde.